Et il y a exactement un an et demi, j'ai repris les leçons, comme une petite élève, et avec patience. Repris les leçons, ça veut dire avec un professeur? Comme un athlète fait. Ah oui, avec Elvira Hidalgo, mais aussi avec moi-même, parce que c'est bien moi que ça beaucoup de choses. Mais évidemment, c'est comme un athlète, il doit reprendre toute la gymnastique de l'instrument. Il faut se refaire à la possibilité et la durée de... C'est comme un athlète. Hélas, notre métier est comme ça d'abord. Ensuite, l'art, évidemment. Mais on fait les expressions, tout ce que vous avez dit de merveille sur l'art, l'expression, les mille couleurs, les millions de couleurs. Il faut avoir l'instrument qui te répond au 100%, au moins 90%. Il faut faire l'instrument. Ah oui, l'instrument doit te servir, doit t'obéir à la perfection. Ça, c'est le bel canto, ça, c'est l'école. Et de là, on ne peut pas échapper parce qu'on trouve dans les partitions tout ce que tu dois faire. Tu ne peux pas dire, je ne peux pas faire le trille, je ne peux pas faire cette note. Ou le vocalise est un peu, disons, dur, les muscles sont durs. J'ai observé mille fois un athlète ou dans le cirque, les athlètes que... Les acrobates, pardonnez-moi, que s'exercent. Et alors, l'autre qui est en bas, l'entraîneur, disons, oui. Ils disent, tu es tendu, le muscle doit être plus libre, plus détendu, tu ne peux pas, tu vas rater. Alors, le million de réflexes, ensuite de tout le reste, c'est exactement la même chose, comme eux, en plus les mots, en plus les costumes, en plus les accidents de mille choses, le collègue, le maestre, et millions de choses. Nous avons le métier le plus difficile au monde.